Donc rebonjour à tous, c'est Matt29 et on se retrouve pour Car Mechanic Simulator 2014, le deuxième épisode. On finit notre commande, on va continuer la commande. Donc qu'est-ce qu'ils disent de voilà. Remplacer toutes les pièces usées. Quand je roule sur des routes accidentées, j'entends du bruit au niveau de mes roues avant. Vérifier la voiture et remplacer les pièces. Alors, quand il s'agit d'entendre des bruits, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être les suspensions comme autre chose. Donc déjà, quand on voit ici que les roues sont au jaune, mais ça c'est pas grave. On va juste démonter les roues quand même. On va démonter les roues et puis on verra ce qui va pas. Alors là, déjà je vois déjà deux pièces en rouge. Qui sont donc la crémaillère externe de la direction. Et le conjoncteur de bras de suspension. De stabilisation. Le bras de stabilisation qui est à 22. Alors, est-ce que je vais quand même vérifier les suspensions, hein, parce qu'on ne sait jamais. Donc quand je vais l'enlever, il y aura marqué à combien elle est de pourcent. 74, bon ça va. On va quand même vérifier le ressort. Hein. 72. Bon, on peut remonter. Hop. Ça c'est bon. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a à vérifier? À mon avis, il y a l'autre côté aussi. Il n'y a que les roues avant. Donc les roues arrière, pour l'instant, on n'a pas à s'inquiéter pour la roue arrière. Ah, zut. Faut que je choisisse ça. Alors le jeu ne me vague pas trop, nous savons. Ah bah là il n'y a que le conjoncteur ici. Je vais quand même vérifier le dessous de la voiture, hein, parce que il s'agit que les bras de suspension à l'arrière. Pourquoi il ne veut pas le démonter? Voilà. Donc ça c'est démonté. Et puis nous on va mettre en dessous quand même. On va démonter tout ce qui est suspension avant et en dessous. Donc, alors soit je les vérifie pour vraiment voir si c'est vraiment dans le rouge. Donc tout ce qui est double bras de suspension, c'est bon. Donc bras de suspension, non, il est bon. Côté droit peut-être. Non. Non, donc il y a vraiment juste que les petites pièces qu'on a vues. Donc du coup on peut redescendre la voiture. Alors qu'est-ce qu'on a dit qu'il fallait. Alors, c'est des pièces bien sûr que on doit acheter, qu'on peut pas réparer. Donc il y a. Alors, que je me trompe pas. Donc on a dit qu'il y a le conjoncteur. Le conjoncteur c'est le conjoncteur gauche. Après, il y a quoi? Il y a. Ah, bah, il y a aussi le conjoncteur droit, mais je suis con. Il y a aussi la crémaillère de direction, il me semble. La crémaillère de direction externe. Donc, il y en a acheté. Ok. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre tout simplement ce qu'on a plus besoin. Donc, ça va être à changer. Celui-là, pareil. Et celui-ci, pareil. Ça donne un petit peu quoi. Donc, du coup ici on va sur l'ordi, on va dans le magasin de pièces détachées et on s'achète donc ici au niveau des conjoncteurs. Donc on a le conjoncteur droit, donc on a dit conjoncteur droit, conjoncteur gauche et crémaillère de direction externe. C'est la crémaillère qui est pas en fait. Elle est dans les L. Tiens, elle est là. Tac, tac. Donc, qu'est-ce qu'on a plus qu'à faire? On remodifie tout ça. Donc, on replace
Les pièces à remplacer. Voilà. Donc déjà deux conjoncteurs. Pourquoi il me dévie sur un autre? Donc conjoncteur, c'est bon. Normalement il faut faire que les pièces qu'on doit faire parce que sinon on n'a pas fini de démonter. Ah, il y a la roue aussi. Hop. Hop et hop. Voilà, donc du coup on va faire le côté. Donc là on a juste le conjoncteur à changer. Bah je l'espère. Parce que du coup j'ai même pas vérifié si... Si ça c'était tout normal. Non ça va, c'est une crise. Non ça va pas vérifier, il faut que je vérifie. Non, c'est bon, ça passe. On sait jamais, hein. Hop, hop, et hop. Hop. Et hop, voilà, ça c'est fait. La roue. Et voilà, donc il n'y a plus de trucs dans l'inventaire. Et normalement ici c'est bon, donc on passe à une autre commande. Cette fois-ci, ça va être quoi? On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'il a le petit client? Il a effectué un scan, ça va être facile. On ouvre juste la porte, on s'installe dedans et on fait scan. Normalement ça se fait tout seul, c'est juste ça à faire, hein. Après c'est fini. Voilà, tac. Voilà. Ça c'est fait. Et normalement, la commande est finie. Voilà. C'est trop. Ça c'est rapide. Ça c'est la plus rapide des missions qu'on fait. Parce qu'en fait là, je suis en train de refaire les missions que j'avais déjà faites. Mais bon. Vu que je les ai déjà faites, normalement ça devrait être rapide. Alors ici, il faut réparer le démarreur qui est complètement cassé. Donc le démarreur se situe dans le moteur. Au niveau de la boîte de vitesse de l'autre côté. Attends, qu'est-ce qu'il a? J'ai entendu dire que je pouvais réparer mon démarrage ici. Il marche à peine, je n'ai pas d'argent. Pour 100 dollars, hein, super. Ça coûte pas très cher en plus, c'est chiant. Alors, le démarreur il est là. Pour ceux qui ne savent pas. Je vais juste démarrer. Qui va être mort à mon avis. Alors c'est pas compliqué, le démarreur c'est la pièce qu'on peut la réparer. Par contre, non, je peux pas vérifier ça. Oh, ça va être pas si. Je pense qu'ils doivent pas être. Non, voilà 47 quand même. En tant que c'est pas rouge, tant pis, ils ont dit juste le démarreur. Hein. Donc on va pas s'en faire, donc on va aller à côté des établis. Voilà, on va faire démarrer. Pouf, réparer. Et on va le remettre en place. Quand il y a des pièces comme ça qu'on peut réparer, ça va être bien. Donc on a dit. Est-ce que.
Hop, on va se mettre sur le démarreur. Hop. J'espère qu'il n'y a que ça, hein, parce que s'il y a autre chose... Normalement, ils nous auraient dit. Hein. Là, là, il est plus propre quand même. Il irait pareil demain. Alors. Bon, bah, c'est bon. Préparer. Allez, une autre mission. Alors, ça dépendra des missions. Parce que certaines missions sont vachement. Sont longues, d'autres sont pas longues. Donc, ça va. Donc, prochaine mission. Il faut faire effectuer des tests routiers. Bon, ça c'est rapide encore. Hein. Quoique les tests, c'est assez chiant de faire. Donc, on se met en vue extérieure parce que sinon c'est la merde. Et puis après. Par contre, là le volant il marche pas. Alors, à moins que je configure. Doucement, du calme. Aïe. Oh là 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 là. Oh, quelle galère. Là. N'importe quoi. Alors là pour les voilà, pour les suspensions et puis après le freinage pour la fin pour dire que le test est bon. Voilà, c'est fait. Donc le test c'est bon. Maintenant on va regarder qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il y a comme défaut dans la description de sa commande. Donc on fait un clic droit, voir la commande. Les vitesses passent mal, il y a quelque chose qui cloche avec l'embrayage. Alors l'embrayage ça s'écrit pas comme ça, mais c'est pas grave. Donc s'il y a quelque chose qui cloche avec l'embrayage, je suis obligé de tout démonter les pièces qui sont en relation avec la boîte de vitesse et l'embrayage. Donc en l'occurrence, les directions... Non. Les transmissions, donc les transmissions c'est sur les roues à l'avant vu que c'est une transmission avant. Donc du coup on va démonter la roue. Roue avant. Et donc l'arbre qui est là, juste le joint de transmission qui est ici. Et si on veut démonter la boîte de vitesse, on est obligé de démonter, après on est obligé d'enlever le démarreur, et ainsi de suite. Donc cette mission là continuera dans le prochain épisode, parce que j'ai l'impression que c'est déjà pratiquement fini. On fait quand même pas mal de missions hein, en rien de temps. Hein. Donc ici on a dit, là, le joint là. Oh. Ah, bah oui, forcément. Hop, voilà. Donc maintenant, on va tirer le démarreur. Par contre, c'est vrai que ça ne tourne pas vite. Ça, c'est énervant. Donc du coup, on se retrouvera la prochaine fois. Pour la suite de cette commande, c'est-à-dire on continuera de démonter tout ce qui est boîte de vitesse, démarreur, boîte de vitesse et tout ce qui est embrayage. Donc l'embrayage c'est butée d'embrayage, plaque de pression, plateau de pression, disque d'embrayage. Allez, donc on se dit à la prochaine. Donc on se retrouve dans une prochaine session, cette fois-ci ce sera du Eurotrack. Le Mickey, je ne sais pas, on verra. Peut-être que je trouverai une partie que j'ai déjà. Et donc du coup,
à la prochaine. Donc n'oubliez pas les petits pouces bleus, de vous abonner, de me laisser des commentaires, et on se dit à la prochaine. Donc ciao 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 tout le monde.